Eh bien, salut à tous et à toutes, ici Afodas, j'espère que vous allez très bien, moi ça va nickel. Et aujourd'hui, donc, on se retrouve sur la tier list des héros sur Star Wars Battlefront 2, quels que soient les modes. Alors, vu que j'ai terminé les guides, je me suis dit, tiens, si je m'amusais à faire une petite tier list, pour savoir où est-ce qu'ils en sont, etc. Avant de commencer vraiment la tier list, on va évidemment, je mettrai des catégories en fonction du mode, hein, du mode, que ce soit Galactic Supremacy, héros versus vilain, et je ferai un cas à part pour le 1 versus 1. Chose importante, tous les héros sont puissants. Tous les héros ont leur avantage et ont leur désavantage. Ils sont tous plus ou moins puissants, mais vous verrez qu'en fonction du mode et en fonction de la situation dans laquelle vous êtes, vous verrez que vous allez avoir des héros plus ou moins puissants. En revanche, ce n'est que mon avis. Très important, ce n'est que mon avis. Je vais faire une tier list par rapport à mon expérience personnelle et ce que moi je ressens quand je joue les autres personnages. Si vous n'êtes pas d'accord, si vous avez des choses à dire, si vous disiez ouais mais je préfère plus là et là et là, n'hésitez pas à me partager votre avis. C'est toujours très important quand même de voir ce que vous pensez, etc. Ouais, logique. Donc je vais essayer de faire une tier list encore une fois avec mon opinion et évidemment ma vision. Donc évitez de me taper trop sur les doigts s'il vous plaît. D'accord, faisons comme ça. Donc voilà, tout simplement, on va commencer tranquillement, hein, petit à petit, avec le premier mode, donc l'assaut galactique slash la suprématie. Alors, on va commencer par Anakin Skywalker. Alors, il faut l'avouer, Anakin Skywalker, beaucoup l'ont dit, bien avant moi, hein, bien sûr, et il était hyper pété. Hyper fumé as fuck. Pour vous dire, il était tellement puissant que Anakin était redouté sur les champs de bataille. Quand les soldats voyaient Anakin, ils savaient qu'ils étaient morts ou alors ils fuyaient. Littéralement, c'était le dieu du champ de bataille. En fait, vraiment, rien ne pouvait l'arrêter. Surtout pour sa super puissance, en fait, qui faisait juste beaucoup trop de dégâts. Aujourd'hui, Anakin Skywalker s'est pris un nerf qui est assez violent, puisque quand même, ils lui ont brisé les deux jambes. Et quand on le play, ça se ressent. Ça se ressent, on ressent qu'il a beaucoup moins de stamina. Mais tout de même, je pense qu'Anakin reste très fort, en effet. Il reste très fort parce qu'il a quand même pas mal de dégâts. Il a beaucoup de pression, quand même. En assaut galactique et en suprématie, son attraction peut énormément aider. Et son E lui permet tout simplement de... Et son E et sa quatrième capacité lui permet de pouvoir tempo les points et les objectifs de façon assez violente. Il peut aller aussi chercher, il peut même être un petit flanqueur et aller chercher, bien entendu, les autres héros. Donc il est toujours assez puissant, mais tout de même, attention quand vous le jouez, parce que... Quand vous le jouez, vous ressentez un petit manque quand même qu'il avait avant. BB-8 et BB-9, eux. Alors, eux, je vais les mettre en très fort parce que, tout simplement, ils ont un soutien qui est plutôt très bon. BB-9, eux, via l'auto-heal, qui est assez impressionnant, plus le fait de ne plus avoir la surchauffe, en fait, sur son F, la tempête de câble, enfin, pas la tempête de câble, la tempête, enfin, pas la tempête, là. Le stun en fait masse sur BB9E qui est très très pratique, qui permet de pouvoir dégager énormément de monde sur le point, et BB8 tout simplement, le scanner qui inflige des dégâts hein, en plus sur les ennemis révélés, qui est très pratique. Vraiment, les deux boules ont une façon de support assez exceptionnelle. En plus, le fait d'avoir un support sur le point, compter pour double pour capturer le point, c'est toujours assez pratique. Sincèrement, BB9 et BB8, au début, j'avais beaucoup de méfiance envers eux. Mais au fur et à mesure de les jouer, je me rends compte qu'ils ont pas mal de potentiel en assaut galactique et en suprématie, qui sont plutôt pas mal. Boba Fett est très puissant. Il est très puissant, mais il n'est plus aussi puissant qu'avant. Comme Anakin, il s'est reçu un nerf. Beaucoup moins de roquettes, beaucoup moins de dégâts. Mais il reste quand même assez fort, mais c'est pas indispensable. Je pense que je vais le mettre dans bien, tout simplement bien. C'est quand même, c'est pas un mauvais pic, ni un pic très fort, mais c'est un pic qui fait le café moyennement. Voilà, tout simplement. Le bien, c'est moyen. Voilà, c'est bien, c'est pas très fort, c'est pas nul, c'est bien.
Ça donne de la vision, ça donne quelques dégâts, la roquette à concussion qui peut être assez utile sur certaines maps, comme par exemple sur Kamino ou sur, sur Mos Eisley, enfin sur Tatooine. Donc assez bien, mais tout de même une faiblesse, puisque dans les airs, il va quand même se faire counter par pas mal de choses, que ce soit par les vaisseaux ou par les snipers, ou même par les commandos. Donc attention à ça quand vous jouez Boba Fett, mais il fait encore le taf, il arrive encore à se démarquer. Il est encore bien, mais sans plus. Bosque. Bosque. Alors Bosque, je suis assez... C'est difficile à le classer parce que Bosque, soit il est fantastique. Alors fantastique, c'est vraiment le top top, c'est-à-dire le rang S, God, enfin Dieu sur Terre, etc. Je suis tenté de le mettre là, mais je vais plus le mettre en très fort. Parce qu'en le jouant... Alors désolé les main Bosque, hein, je sens que vous allez me taper dessus. Mais Bosque est très très fort. Dans le sens où... Alors je fais pas les rangs, hein, vous voyez, hein, je fais pas, je n'ai pas Anakin ou Bosque en premier, je m'en fous, je mets juste dans le rang, etc. Bosque est puissant, ses grenades, ses mines à proximité qui sont extrêmement fortes, plus la grenade Deoxys, mais je le mets en très fort parce que son handicap c'est sa passive, c'est la passive qu'il y a sur tous les héros, c'est-à-dire de ne pas récupérer la santé par élimination, ce qui serait peut-être un peu trop fort sur Bosque, je peux le comprendre. Vous pouvez, comme je l'ai dit dans le guide, enlever cet handicap via la grenade qui va vous heal, la grenade Deoxys, mais tout de même, alors vous allez toujours avoir vos PV max, mais attention parce que Bosque prend pas mal de dégâts. C'est fort, c'est très fort, hein, vraiment Bosque c'est très puissant, mais je le mettrai pas dans fantastique parce qu'il peut très vite se faire counter et il peut très vite prendre beaucoup de dégâts. Chewbacca. Alors Chewbacca, le problème, je le mets dans moyen. Je le mets dans moyen parce que le problème de Chewbacca, c'est qu'il a beaucoup de PV. Je crois qu'il a... Ça fait partie des personnages qui ont le plus de PV. Mais vous êtes dépendant de votre team. Le problème de Chewbacca, c'est que vous avez un bon stun, même s'il a reçu un petit up quand même. Votre E qui quand même affiche pas mal de dégâts. Votre charge qui permet de pouvoir dégager beaucoup de monde du point et de one-shot pas mal de personnes. Mais il est dépendant de sa team et de ses capacités. C'est-à-dire que sans ses capacités, Chewbacca va avoir du mal à se démarquer. Vous allez pouvoir faire quelques petits kills, mais vous allez vous prendre beaucoup de dégâts. Je l'ai dit encore une fois dans le guide, Chewbacca prend énormément de dégâts sans ses compétences. Et en fait, il a pas beaucoup de compétences de défense. Et vous allez être obligé de jouer derrière la frontline. Mais pas trop en frontline non plus, pas être devant, comme contrairement à Obi-Wan qui va pouvoir se permettre de pouvoir être devant. Chewbacca va prendre énormément de dégâts et vous allez devoir le jouer à l'arrière, limite avec les supports, les officiers et les supports à style Leia ou si vous avez un Yoda qui joue support. Donc ce qui est assez dommage parce que le personnage a beaucoup de potentiel, mais moi je le mets dans moyen. Après, si vous le jouez très très bien, vous pouvez très bien le mettre dans bien. Dans bien, vous pouvez mettre très bien dans bien et ça fait quand même le café. Mais quand même, je trouve qu'il prend beaucoup trop de dégâts. Compte Dooku. Le Compte Dooku, je vais le mettre dans la même catégorie que Bosque parce que tout simplement, c'est un très bon dueliste. C'est un très excellent flanqueur en suprématie en assaut galactique. Mais il peut très vite se faire submerger. Voilà, Dooku, c'est comme Boba. Il fait pas mal de choses. Ses éclairs qui peuvent être très pratiques. Plus son ralentissement sur certains héros. Et surtout, bah, il peut annuler les boosts PV des officiers et des héros comme la Yoda, etc. Ou des exécuteurs. Mais il peut très vite se prendre des dégâts. Et avec Dooku, il faudra switch entre la défense et l'attaque. Donc, soit vous défendez, soit vous attaquez. Ça va être un petit peu compliqué. Mais vous en sortirez, ça fait toujours un petit peu le café. Mais vous n'avez pas non plus qu'arrive au game, sauf si vous jouez excellent de façon... Magnifique, votre flanqueur, etc. Finn, très fort. Finn est très très fort. Il a son E, qui est juste insane. Il a des capacités défensives qui sont très très bonnes. Son brouillard de radar, son F, qui lui permet de pouvoir jouer un petit peu flanqueur. Son E, qui apporte énormément de choses. Boost PV, etc. etc. Réduction de capacité, etc. Vraiment de très 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 bons buffs en tant que support. Et son A, qui lui donne une aim, enfin une auto-aim, hein, qui est vraiment très très bien s'il doit régénérer, tout simplement. Donc Finn est un excellent support. Je vous le conseille. Grievous aussi. Grievous est très très fort. Pas en tant que support bien entendu, mais en tant que flanqueur. Il fait extrêmement de dégâts. Alors quand on joue avec les copains,
à chaque fois on rage sur quand il y a un Grievous en face parce qu'il fait énormément de dégâts. Quand il fout sa griffe d'acier, vous allez régénérer beaucoup, vous allez avoir une petite réduction de dégâts, mais il peut sortir de pas mal de situations. Il a un dash qui est extrêmement long, qui est extrêmement grand, et son E qui lui permet de dévier pas mal de tirs de blaster si jamais il doit entrer sur un point ou s'il doit protéger un objectif. Donc j'ai été curieux de voir certains Grievous qui utilisaient leur E pour protéger le soldat qui était en train de prendre l'objectif, hein, vous savez, en appuyant sur la touche pour prendre l'objectif tout simplement. Ce qui est assez utile en fait, on s'en rend compte. Donc très puissant et surtout énormément de dégâts. Grievous fait énormément de dégâts et c'est vraiment... Vous avez vraiment un vrai impact avec Grievous, mais quand même vous risquez de vous prendre pas mal de dégâts puisque sa stamina n'est pas très très forte. Han Solo. Han Solo, je le mettrai dans bien aussi. Pas dans très fort. Pourquoi je le mets dans bien? Ça fait le café. Le problème de Han Solo, c'est que... Enfin, plutôt le point positif, c'est que vous pouvez tout faire. Si vous voulez jouer flanker, vous pouvez. Si vous jouez sniper aussi, soldat lourd aussi. Vous pouvez un peu tout faire, commando aussi. Mais c'est aussi sa faiblesse. C'est-à-dire que Han Solo, vous ne pouvez pas trop vous spécialiser dans un seul archétype. C'est-à-dire, par exemple, si vous voulez jouer sniper, vous pouvez pas. Parce qu'il est beaucoup trop éclipsé. Vous avez, en fait, avec Han Solo, vous avez besoin d'être partout. À la fois sur le point, à distance, etc. Vous êtes obligé d'aller un petit peu partout. Vous êtes obligé de tout le temps vous déplacer. En tout cas, c'est ce que moi, je ressens quand je joue Han Solo. Mais il est très très puissant. Il a beaucoup de dégâts, etc. Ça fait le café, c'est bien. Ça fait quand même ça fait quand même pas mal de dégâts. Ça fait... Ça fait le taf. Mais... pas suffisamment parce que vous êtes sollicité absolument partout. Et c'est ça le problème. Hidden Versio. Hidden Versio, ça me fait mal de la mettre, mais le personnage est fantastique. Le personnage est très très bien. Le personnage est juste fantastique. Je déteste ce personnage, mais c'est un fait. Son bouclier, si vous pouvez faire un build full tank et le faire uniquement sur le shield qui absorbe énormément de dégâts, que ce soit explosion, etc. Alors heureusement, il absorbe pas les pouvoirs de force. Heureusement, sinon ce serait beaucoup trop fort. Mais beaucoup trop fort pour ce que c'est. Alors attention, je sais pas parce que je la mets en fantastique, que c'est overpété, que vous devez la jouer. Attention, Hidden Versio quand même est sensible à pas mal de dégâts. Mais vous pouvez tout faire. Un stun de masse. Le côté sniper, même si le tir est assez long, qui fait énormément de dégâts, si vous avez une très bonne aim, ou une bonne aim tout simplement, vous pouvez faire un carnage en mode sniper, et le bouclier qui est très pratique, mais surtout votre clic droit, enfin moi je joue sur la souris, mais votre tir secondaire, qui est la boule de plasma. La boule de plasma, vous avez même pas besoin de viser. C'est insane. Les dégâts sont beaucoup trop conséquents sur la boule de plasma, et c'est pour ça en fait qu'aussi Hidden Versio est très détesté, parce qu'il n'y a rien qui peut bloquer la boule de plasma, à part le bouclier de Leia, mais ça on y reviendra un peu plus tard. Donc pour moi, Hidden Versio est juste insane. Quand vous avez une Hidden Versio qui joue très bien en suprématie ou en assaut galactique, ça va être très dur de prendre le point ou de le défendre, clairement. Faudra que vous reculiez parce que sa boule de plasma, en plus si elle prend la carte qui fait que vous avez la boule de plasma plus souvent, ça va être compliqué. Kylo Ren, très fort aussi, très fort, beaucoup de dégâts. Un gel qui est extrêmement pratique quand vous devez aller sur le point ou protéger un objectif. L'attraction, comme elle a Anakin Skywalker, vraiment très pratique, très très puissant. Rien à dire dessus, assez puissant, assez fort. Personnellement, j'aime bien le jouer, plus le dash entre les ennemis quand vous les tuez. Non, très très puissant, mais attention quand même aux explosions parce que vous êtes assez sensible. Lando Calrissian, pareil, très fort. Pourquoi? Parce que tout simplement, il a un contrôle de map, surtout sur Geonosis et sur Kamino dans les couloirs avec sa grenade fumigène. Sa vision nocturne qui est extrêmement pratique, qui va vous permettre de traquer l'ennemi. Son auto-visée et bien entendu son stun qui dure très longtemps. Et bien évidemment, le stun qui est aussi associé au radar, tout simplement, qui permet de pouvoir repérer l'ennemi assez facilement. Donc Lando Calrissian est assez puissant quand même. Beaucoup de gens le sous-estiment alors que quand même ça fait le café. Quand même c'est très très puissant. Leia c'est fantastique. Leia, je pense que je vais la mettre en fantastique pour une seule et unique raison, le bouclier. Leia a reçu un buff, alors avant ses grenades, elle avait une grenade aveuglante qui était plutôt pratique. Aujourd'hui, vous avez
3 stacks de grenades style commando. Vous pouvez les enchaîner directement, c'est très très fort. Le E qui vous permet d'avoir un soutien juste insane en mode sulfateuse, mais le bouclier. Le bouclier permet d'arrêter quasiment tout sur le jeu. Blaster, certains pouvoirs de force, explosion, etc. C'est juste insane. Et en plus de ça, c'est pas fini parce que vous healez les gens. Alors le heal à la BB9E, c'est que dalle sur le heal de Leia. Leia heal énormément. Vous passez 40 à 50 secondes avec votre héros, vous allez regagner masse vie. Donc Leia, je pense que Leia est le meilleur support du jeu. Vous pouvez même la jouer flanqueur. Hein. J'ai vu des gens qui jouaient Leia flanqueur, c'est extrêmement utile. Hein. Très très puissant. Vraiment Leia, le meilleur support. Luke Skywalker et Maul, je pense que je vais aussi les mettre. Je vais les mettre ensemble, c'est aussi fantastique. Pourquoi ? Parce qu'ils ont une mobilité indécente. Ils ont une mobilité indécente. Non, je mets pas Luke Skywalker en top parce qu'il a une gentille petite tête. Non, pas du tout. Parce qu'ils ont une très bonne mobilité, des dégâts insane. La poussée de Luke Skywalker plus sa répulsion lui permettent de pouvoir garder le point assez longtemps. L'étranglement sur Maul est juste extrêmement pratique. Vous affligez des dégâts, ça peut être très pratique sur des maps où il y a du vide. Je repense encore à Kamino. Mais surtout la mobilité. Les deux personnages ont une mobilité qui est juste très très bien. Et une stamina qui n'est pas dégueu. Clairement, c'est des personnages extrêmement puissants. Il suffit qu'il y ait en face une personne qui sache bien jouer et vous êtes mort. En plus de ça, j'oublie, mais le lancer de sabre laser de Maul. Juste incroyable. Juste incroyable. C'est des personnages avec une très bonne mobilité et des dégâts assez conséquents. Mais aussi une stamina qui est pas dégueu. Qui est pas dégueu et que moi j'approuve. Obi-Wan Kenobi. Ah, je suis obligé de le mettre là. Il est fantastique lui aussi. Fantastique pourquoi ? Parce que c'est le meilleur frontliner du jeu. Évidemment, c'est mon main, mais il a beaucoup de choses qui lui permettent de pouvoir survivre. Déjà d'un, sa charge, qui lui permet de pouvoir bloquer tous les tirs de blaster. Alors on me dit, on va me dire, mais c'est pas très utile. Je vous promets que quand vous avez des soldats lourds qui vous pilonnent à fond, la charge va être très très pratique. La poussée irrésistible, qui est juste insane, vu la distance, et évidemment leur enseignement mental, qui est quand même la base du jeu, du personnage, qui est extrêmement pratique. Sachez qu'avant, leur enseignement mental permettait de non seulement bloquer les compétences, mais bloquer aussi les roulades, c'est-à-dire votre esquive en fait. On est d'accord, ce qui était assez bien pété quand même. Mais aujourd'hui il n'y a plus, mais quand même vous empêchez les compétences. Ce qui est extrêmement pratique, ce qui est extrêmement utile. Donc bref, et vous avez la meilleure stamina de tout le jeu. Hein, et ça, il n'y a pas à nier. Palpatine, très fort. Très fort aussi, je ne l'avais pas dans Fantastique parce que tout simplement... Il est très sensible aux dégâts et il n'a pas de quoi se défendre. Mais il est extrêmement offensif. Il suffit que les ennemis soient regroupés, vous mettez votre chaîne d'éclair, vous allez faire un carnage, votre tempête de force qui est juste trop forte en fait, qui est juste beaucoup trop forte. Non seulement d'avoir des dégâts continus, vous avez aussi un ralentissement sur les soldats classiques. Voilà. Et votre stun qui peut counter pas mal de personnages. Pas mal de personnages. Phasma. Alors Phasma, je suis navré de le dire, mais elle est dure à jouer. Pour moi, Phasma est un personnage en suprématie en assaut galactique qui a du mal à se démarquer. Alors, je ne le mets pas dur à jouer. Quand je le mets dur à jouer, c'est que c'est pas nul à chier. Non, il y a du potentiel. Mais c'est dur à jouer dans le sens où, comme je viens de le dire, vous aurez du mal à vous démarquer. Pour moi, c'est un soldat lourd. Enfin, c'est un exécuteur soldat lourd amélioré. Déjà, vous allez avoir une compétence qui va vous être inutile, le bâton. Soyons honnêtes, 2 secondes, votre bâton va vous permettre limite de pouvoir attaquer les héros sabre laser, et encore ça va être compliqué, ou de pouvoir faire 1 ou 2 kills grand max quand ils vont être au corps à corps, c'est tout. Ce que vous allez prioriser c'est votre E, c'est tout simplement votre capacité de tank. Le personnage est assez sympa, notamment pour son droïde qui permet de pouvoir rester sur le point, de pouvoir stun et infliger des dégâts, mais il va très vite se faire détruire. Et en plus de ça, il va falloir que vous déplaciez votre droïde si vous voulez empêcher le cooldown et de le dépasser d'un point à un autre.
Et dans cette période-là, vous risquez d'être sensible au sniper. Combien de fois, moi, je me suis fait abattre avec Phasma alors que j'ai enlevé mon druide, je me suis pris deux trois balles de sniper, j'étais mort. Donc Phasma est un... C'est pas un mauvais pick, mais ça va être très compliqué de carry des games. Et surtout, c'est très dépendant de sa team. Vous pouvez faire un bon taf, vous avez une vision... vous avez aussi une mini-vision thermique avec Phasma, qui est assez pratique. Mais... Ça va être compliqué de la jouer. Je sens que ça va faire grincer des dents certains. Mais pour moi, voilà. Pour moi, Phasma ne se démarque pas des autres. Et pour moi, c'est à peine un soldat lourd et un exécuteur amélioré. Ré. Alors, Ré est très puissante. Il faut pas se cacher, Ré est extrêmement puissante. Mais elle a une stamina très faible. Un petit peu à la Doku. Mais elle est très forte, pourquoi? Parce que c'est sa clairvoyance. Sa clairvoyance va vous permettre de pouvoir avoir un certain support de vision, en fait, tout simplement, parce que vos alliés vont pouvoir voir par où va passer l'ennemi. Sa charge, si vous prenez la carte qui lui permet de pouvoir tank très très fort, mais très peu de stamina. Très mobile, très facile, très simple à jouer, mais... pas beaucoup de stamina et ça va vous être assez fatal. Mais surtout votre clairvoyance et votre j'ai plus la compétence en tête, votre inversion de touche en fait, c'est-à-dire quand vous allez déstabiliser la ruse mentale, vous allez faire chier l'ennemi assez violemment. Surtout si vous faites la combo clairvoyance, la carte clairvoyance et ruse mentale, comme je l'ai montré dans le guide, ça peut être très 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 pratique, mais tout de même attention parce que Ray peut prendre facilement de gros dégâts et c'est un personnage qui est assez je dirais pas squishy, mais c'est à dire squishy dans le sens faible, qui prend beaucoup de dégâts, mais très sensible aux explosions et très sensible aux embuscades. Vador, rien à dire de plus. Alors Vador, au début j'hésitais à le mettre à très fort. Très fort parce que assez pratique, mais je me rends compte au fur et à mesure du temps qu'il est fantastique. Il est extrêmement fort. Le stun, votre boost de PV, de réduction de dégâts et de force, et de dégâts, votre lancer de sabre laser qui fait beaucoup trop de dégâts, c'est juste... Voilà, Vador, voilà, rien à dire de plus, vous êtes très très fort. Mais attention tout de même, pour rester un héros au corps à corps, un petit peu style Obi-Wan, je pense que Vador peut jouer aussi, peut-être aussi jouer frontline. C'est un très bon frontliner et clairement il a pas une stamina dégueu. Une stamina qui est plutôt très bonne. Et vous pouvez aussi le jouer flanqueur, etc. Donc je pense qu'il a beaucoup de dégâts et beaucoup de réduction de dégâts via son E qui font que c'est un personnage extrêmement puissant. Quant à Yoda, je vais le mettre en très fort aussi, parce qu'en suprématie, en assaut galactique, il peut avoir plusieurs casquettes, il peut jouer flanqueur, il peut jouer soutien, d'ailleurs les Yoda soutien sont très puissants, vraiment c'est très sympa de le jouer, et vous pouvez aussi jouer semi-frontline, où vous allez pouvoir tempo tout simplement avec votre A. Donc, rien à dire de plus, Yoda est extrêmement puissant, et il peut revêtir pas mal de choses et il a une certaine mobilité qui est très très bonne en plus de certains dégâts, mais attention parce que quand il effectue ses attaques classiques, hein, avec votre attaque classique, hein, il est assez lent, donc attention à ça, ça risque de vous coûter cher. Bref, on a terminé donc le côté suprématie assaut galactique et on va passer au héros versus vilain. Bien, alors pour l'assaut galactique et la suprématie, vous le voyez, il y a beaucoup de changements, j'ai décidé de garder Vador dans le haut du panier, en fantastique, parce que tout simplement, il est fantastique et il est extrêmement puissant. Iden Versio, je l'ai mis en bien parce que je dirais qu'elle a beaucoup moins d'impact en héros versus vilain. Alors là, je parle vraiment du cas du 2v2 et du 4v4, le cas du 1v1, on le verra plus tard. Mais Iden Versio est très sensible au pouvoir de force et ça va être très très chiant pour elle. Attention en revanche, quand vous avez une Iden Versio en face, ce sera non seulement la cible à focus, mais ça fait quand même assez mal. Ça fait très très mal. Et les Iden Versio, il y a des mains Iden Versio et il faut pas les sous-estimer. Croyez-moi, il faut pas les sous-estimer, ils font très très mal.
fait qu'il joue un minimum en équipe, et là, ça, vous allez le sentir passer. Vous voyez également que j'ai décidé de mettre Bosk en haut du panier, parce que tout simplement Bosk est juste insane. Vous pouvez tendre des embuscades, sa grenade dioxys plus bah, tout simplement son instinct du prédateur qui lui permet de pouvoir voir à travers les murs et de pouvoir voir si l'ennemi va vous tendre une embuscade ou pas, donc très puissant. Ré, pourquoi j'ai décidé de mettre Ré en haut du panier, parce que tout simplement Ré lui permet d'avoir une vision assez lourde, d'ailleurs la vision est assez large. Et assez importante, l'inversion touche, qui est juste, je pense, la pire chose du jeu. Et évidemment, j'ai décidé de mettre aussi Han Solo, tout simplement parce que Han Solo est incroyable. Sa grenade en fait le café, plus sa charge. En fait, Han Solo a énormément de mobilité, en 4v4 et 2v2, vous pourrez réussir à vous en sortir. La grenade fait énormément de dégâts, surtout si vous prenez la carte qui vous permet de pouvoir projeter l'ennemi à terre, d'infliger plus de dégâts avant que la grenade atteigne le sol. Vous allez faire, mais ça va être insane. Les dégâts vont être abusés. Et en plus, ça va être du pain béni pour vos alliés, puisqu'ils vont pouvoir focus les ennemis à terre, quoi. J'ai pas décidé de mettre Luke et Maul en fantastique, même s'ils sont très puissants. Parce que tout simplement, ils peuvent se faire counter très facilement. Maul peut se faire counter par Obi-Wan, par Lando, par Chewbacca. Et Luke peut très bien se faire étrangler, se faire électrocuter, etc. Donc, ou se faire geler, etc. etc. Donc il y a pas mal de counters. Et vous voyez aussi que j'ai décidé de baisser Leia, parce que Leia, même si elle est très puissante, son bouclier dans certaines situations ne va pas lui être très très utile. Chewbacca, j'ai décidé de le mettre un peu plus haut, parce que tout simplement Chewbacca, bah, ça reste Chewbacca, tout simplement. Et parce que Chewbacca a beaucoup de PV, mais surtout bah, il a une mobilité qui est pas mal, il a un stun, il a une ce qu'on pourrait appeler une répulsion, et c'est surtout ses tirs de blaster qui lui permettent de pouvoir infliger quelques petits dégâts même si l'ennemi part. Donc vous voyez, Dooku, toujours aussi puissant, c'est un très bon dueliste, il peut permettre de pouvoir ralentir, etc. Toujours puissant. Boba pareil, Kylo pareil, Grievous aussi. BB-8, très puissant. Pourquoi BB-9, très puissant. BB-9E, parce que son électrocution, plus son petit heal qui va donner en soutien. Plus, si vous avez un Bosk avec vous, bah, il va y avoir la non-surchauffe. Donc, bref, des personnages assez puissants. Alors, Phasma, ça change pas. C'est toujours au même niveau, parce que tout simplement, en 4v4 et en DV2, il va falloir que vous bougiez assez souvent. Et vous n'aurez pas le temps de pouvoir transporter votre droïde d'un point à un autre point, etc. De le poser, etc. Donc, ah, ça va être très compliqué. BB-8, pareil, vous êtes trop dépendant de votre team. Autant votre radar va être très utile puisqu'il inflige des dégâts supplémentaires, mais vous allez devoir tout le temps jouer avec votre équipe. Et vous allez malheureusement devoir jouer que support. Alors vous pouvez jouer dégâts, etc. Mais moi je trouve que le potentiel est beaucoup plus grand avec BB-8 quand vous le jouez en support. Ce qui est pareil pour Finn d'ailleurs. Finn et Yoda, c'est pareil, sauf que je les mets un peu plus haut, donc bien. Parce qu'ils apportent quelque chose et ils ont plus de dégâts. Yoda, c'est puissant, ça peut briser, ça peut avoir un dash qui brise la garde, mais ça fait pas suffisamment de dégâts pour avoir un impact. Anakin qui reste toujours aussi puissant, et vous le voyez, bah, tout simplement, Obi-Wan qui n'est pas en haut du panier, parce que bah, il peut se faire counter très facilement. Iden Versio, Bosk, Boba, donc autant Obi-Wan peut être counter à pas mal de gens, à pas mal de personnages, mais il peut se faire counter assez facilement aussi. Donc vous le voyez, hein, j'ai essayé de faire à peu près un truc cohérent, donc logique. Et j'ai aussi décidé de mettre aussi au passage Palpatine et Lando aussi dans le bien, parce que Palpatine en fait, même s'il tape dur, hein, il faut le dire, hein, Palpatine tape très très dur et c'est très très puissant, et ben il a pas de défense. Il suffit qu'il y ait une attraction à la Anakin ou une inversion de touche de Rey. C'est fini en fait, c'est terminé. C'est terminé pour vous, sauf si vous arrivez à vous en sortir, etc. Et tout le temps rester dans les airs, etc., etc. Donc, mais attention tout de même aussi aux blasters, parce qu'il y a pas mal, les héros ont pas mal de héros blasters. Donc attention, etc. Pareil, attention, je le redis aussi, mais quand vous jouez Boba, attention à votre counter principal qui sera Chewbacca, puisque son tir chargé va vous déstabiliser. Et si vous êtes sur des maps comme Kamino, vous allez tomber dans le vide en permanence. Donc attention, Chewbacca en héros versus vilain, si vous jouez Boba,
C'est assez violent. Il suffit que vous arriviez à bien viser quand il est dans les airs et vous allez le faire chuter. Et en cela, on continue. Et un boba qui chute et qui peut pas voler, c'est un boba mort, hein, littéralement. Donc, pareil, si vous voulez counter boba, prenez Chewbacca parce que c'est vraiment très très utile. Donc, hop, ça c'était le cas donc, pour le héros versus vilain 2v2 et 4v4. Et je vais faire une courte ellipse pour replacer tout ça et faire évidemment avec le 1v1. Allez, à de suite. Day 2. Voilà, donc vous voyez, hein, y a énormément de changements hein, qui se sont faits. Tout simplement, il y a beaucoup plus de héros fantastiques en 1v1. Vous le voyez, hein, tout simplement, Vador, ça reste toujours pareil. Anne aussi, Rey, bah, c'est toujours l'enfer. Mais on n'a plus Bosk, tout simplement. Doku, le meilleur dueliste côté obscur que vous pouvez avoir. Très puissant, il tape très très dur. Grievous, Luke Skywalker, Kylo Ren sont d'excellents picks. Vraiment, ça, je pense que vraiment c'est les picks qui font le plus mal. Ensuite, on a très fort. Alors, vous pouvez peut-être être surpris de voir Yoda en très fort en 1v1. Mais justement, en fait, face à. Quand vous jouez Yoda, en fait, vous allez devoir avoir un perfect time, en fait, le perfect timing, en fait. Par exemple, si vous avez affronté Vador, il va falloir avoir un parfait. Le dash, en fait, il va falloir qu'il soit parfait et parfaitement timé. Il va falloir que vous connaissiez par cœur les compétences de chaque personnage si vous décidez de jouer Yoda et de pouvoir savoir quand activer vos compétences et quand va activer votre dash. Vous allez faire chier votre adversaire à force de dash et de lui infliger toujours des petits dégâts. Ça va être chiant sur le long terme, mais vous verrez qu'au fur et à mesure, si vous jouez attentivement, prudemment, vous verrez que Yoda, en fait, bah, ça devient très très fort, hein, et surtout en 1v1, en fait. Et ça devient très très chiant et très très dur à tuer, surtout avec son boost PV. Qui peut l'activer, même en étant stun, même en étant étranglé par Vador, il peut tout simplement activer son E. Donc ça, c'est une capacité qui est vraiment très très forte. Donc j'ai décidé aussi de séparer Maul et Luke, parce que tout simplement, je trouve que Luke a beaucoup plus d'impact et permet de pouvoir se dégager beaucoup plus vite. En fait, il permet de pouvoir counter beaucoup plus facilement. Que Maul, en fait, parce que Maul, quelquefois, j'ai remarqué que quand je jouais Maul, en fait, l'étranglement était un petit peu buggé de temps en temps et en fait ne s'appliquait pas au moment où ça devait s'appliquer. Alors que contrairement à Luke, en fait, on peut counter pas mal de personnages, que ce soit Palpatine, que ce soit Dooku ou tout simplement les plus gros counters que vous pouvez faire, c'est sur Grievous et Kylo Ren. Quand Kylo Ren va commencer à activer son E, une répulsion, une poussée, et c'est pareil avec Grievous quand il va vous dasher dessus. Donc voilà, vous pouvez en fait counter les compétences par d'autres compétences. Donc avec Luke, c'est vraiment parfait. Han Solo, c'est toujours aussi fort, c'est toujours aussi pété. Rey, toujours pareil. Dooku, pareil. Obi-Wan, c'est surtout l'enracinement mental, en fait, qui est juste excessivement chiant. Et sa stamina qui est très très puissante. Mais attention à pas trop spam aussi avec Obi-Wan vos attaques. Parce que quand vous allez que spam vos attaques rapides, vous risquez d'être très vite à court de stamina. Anakin, c'est toujours pareil, c'est toujours aussi puissant. Chewbacca, j'ai décidé de le mettre en très fort parce que beaucoup de PV. Mais aussi, c'est un peu comme Yoda, il faut savoir parfaitement timer. Si vous savez pas parfaitement timer dans le jeu, je mets Chewbacca, vous voyez, à dur à jouer, hein, tout simplement. Mais Chewbacca, c'est voilà. Chewbacca, Yoda et je dirais Lando sont les personnages où ils ont des stuns. Mais il faut bien timer et bien connaître les compétences des adversaires. Mais vous verrez qu'avec de l'entraînement, ça ira très facilement. Palpatine, je l'ai aussi mis en très fort parce que bah. Tout simplement, vous allez spam l'adversaire avec vos tempêtes de force, vos éclairs, enfin. Ça va être insane. Boba, vous serez toujours dans les airs, votre côté à concussion, etc. Finn, ça va être impossible. Ça va être très très dur. Vous pouvez, hein. J'ai déjà vu des Finn gagner des duels, mais c'était assez rare, à vrai dire. C'était assez rare, et surtout, en fait, vous allez vous faire déboîter. Parce que votre buff va ne s'appliquer qu'à vous, ça va être complètement inutile. Votre F, bah, pareil, inutile, puisque si vous avez l'ennemi en face, ok. Et votre up, bah, ça peut tout simplement. C'est des tirs de blaster, donc, tout simplement, ça va pouvoir se faire counter par n'importe quel sabre laser. Phasma, on décide de la mettre en moyen, tout simplement, même rang que pareil que BB-8, parce qu'elle va commencer un petit peu à se démarquer. Et tout simplement, vous allez pouvoir jouer beaucoup plus autour du droïde. Mais encore une fois,
voilà, il suffit qu'il y ait une attraction, une poussée de Luke ou tout simplement une autre poussée de n'importe quel autre personnage et vous serez hors du droïde et ce sera foutu. Mais si vous arrivez à bien jouer, ça va. Phasma arrivera à s'en débarquer. Leia aussi, ça peut réussir à le faire. Iden Versu, pareil. Donc voilà. Et j'ai décidé de mettre aussi Lando en très fort parce que tout simplement c'est son stun. Son stun, voilà. Son stun, plus sa vision thermique. Donc et pareil pour bébé 9E, tout simplement, c'est le stun et l'auto-heal que vous allez avoir qui va être très très bien. Bon, et ben je pense qu'on en a terminé avec cette tier list. Évitez de trop me taper sur les doigts, s'il vous plaît. C'est ma première tier list que je fais, en tout cas sur le jeu. Donc n'hésitez pas à me dire vos avis si vous pensez que tout simplement que j'ai... que le héros que j'ai décidé de mettre là, bah, c'était bien, c'est que la vidéo vous a plu, ou n'importe. Si vous n'êtes pas du tout d'accord avec cette tier list, n'hésitez pas à me le dire, etc. Hein, je prends tous les avis. Et ben, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut, c'était Aphonest.